Denny, welcome back. How was your offseason? Clearly, there was a lot of interest in you. How did you handle that interest? And knowing that you come back to LA, where is your head at now as the season starts? Alors, elle a été mouvementée, mais comme je l'ai dit, en Europe comme en janvier, c'est difficile d'avoir des offres. Donc, je me suis concentré sur LAFC tout simplement et j'ai mis ça de côté. It was really not easy, but in Europe in January, it's really hard to have offers. And so I focus only on coming back in LAFC. Obviously, growing up in France, Hugo has been a legend of the French national team for such a long time. What has it been like for you to have someone like him come into the group and get to know him? Vous avez grandi en France, donc Hugo Lloris était une des légendes en France. À quoi ça ressemble de jouer avec lui et de le connaître? C'est toujours un plaisir de jouer avec. Avec Hugo, un international français qui a été le plus capé. Il va apporter de l'expérience en tout cas à l'AFC et je suis très content qu'un autre français arrive au club. It's always a pleasure to play with Hugo as an international player. He won a lot, he was the most selectionné in the team, in the French team. He's going to bring a lot of experience to the team and I'm really happy there is another French player in LAFC. Denny, just the challenge of a new season after being the Golden Boot, knowing that you're going to have that target on your back and away from other teams, just what's your mindset when you just think of this new season? Donc, comment vous sentez à la prochaine nouvelle saison, sachant que vous avez été le Golden Boot l'année dernière, que vous allez sans doute être une cible pour vos adversaires, comment vous pensez cette nouvelle saison? J'ai hâte de débuter cette saison, dont le premier match à domicile. Une nouvelle équipe, une nouvelle ère, donc de nouveaux objectifs. Et voilà, à moi de faire la différence dans le dernier quart du terrain. I'm really looking forward to start the new season, especially with the first game at home. It's a new team, new era, so new goals. And for me, I'm going to try to make the difference in the last quarter of the You mentioned it's a new era. Right now, Carlos is not here. Just being the face of the team, just how does that feel and how do you take on that responsibility as a leader? Vous avez mentionné que c'est une nouvelle ère, justement avec Carlos qui n'est plus dans l'équipe pour l'instant. Vous êtes le nouveau visage de l'équipe. Comment vous sentez et comment vous prenez justement ce rôle de leader? Je pense que ça ne va pas changer de l'année dernière. Voilà. Comme je l'ai dit, je suis un leader sur le terrain. Je parle pas beaucoup, voilà, j'agis plus que je parle. Et puis voilà, comme je l'ai redit sur les réseaux, j'espère qu'ils vont trouver un accord avec Carlos, car Carlos manque à l'équipe. Denny, after a full season last season, you had a lot of success. How comfortable are you now with individual teams going against you in MLS, Seattle, for instance, in the first match, and other teams? How comfortable are you going up against those defenses now that you've seen them for a year plus? Après une full saison avec LAFC et beaucoup de succès, à quel point êtes-vous confortable justement d'affronter ces équipes, de mieux connaître leur pratique de défense? Puisque vous avez joué contre pendant un an et justement contre Seattle pour votre premier match. Je pense qu'on va regarder devant nous. Voilà, on a les qualités pour aller encore jusqu'en finale de MLS. Donc on n'a rien à craindre. Voilà, beaucoup d'équipes jouent correctement, mais voilà, nous on a des armes pour
répondre à chaque équipe. I think we're going to look forward. We have qualities to go in the finals, in the MLS. We have nothing to worry about. There is a lot of team who plays correctly, but we have the strengths to answer against each team. You and Carlos obviously had a great partnership, very successful, and produced many goals for LAFC. Not having him here on the field, what does that mean for your game? Do you think it means more teams will focus attention on you? How more difficult is it without Carlos for you? Vous avez, vous et Carlos, vous aviez vraiment une bonne relation, très avec beaucoup de succès justement à produire beaucoup de buts. Ne pas avoir Carlos à votre côté, quelles difficultés ça va amener pour vous? Vous connaissez tous la valeur de Carlos. Voilà, c'est un joueur qui a marqué LAFC. Et comme j'ai dit, voilà, c'est un joueur important. C'était un joueur important qui amenait beaucoup de situations offensivement. Mais bon, après, voilà, comme je l'ai dit, il y a d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. Mais voilà, ça, le pied de Carlos va quand même être manquant sur le terrain. So you all know the value of Carlos. It was a real player who marked the LAFC. It's a really important player. It brought a lot of situation. But like I said, there is also other players who can make the difference. But the foot of Carlos is going to be missed on the field for sure. Okay. We'll take one last question from Zoom from Jose Lopez. Thank you so much. Hello, Denise. Good afternoon. Good to see you as always. You know, you won the Golden Boot last season. Is that something that you, is that an objective that you have for this season? You know, obviously you're scoring a lot of goals, which means that LAFC will succeed eventually. Bonsoir, Denis. Est-ce que vous avez eu le Golden Boot l'année dernière? Est-ce que c'est un objectif cette saison encore, ou de marquer plus de buts? Voilà. Est-ce que c'est un objectif pour vous de regagner le Golden Boot? Mon objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière, tout simplement, et cette fois-ci gagner les finales qu'on a perdues, si on y arrive. Et voilà, pourquoi pas être récompensé individuellement en étant soit le Golden Boot, soit le MVP. My goal is to do better than last year and win the finals that we lost last year if we go there. And why not be to receive the Golden Boot or the MVP? Thank you so much. Merci beaucoup.